Nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Yesoué, Otumanyo, Ebeye yo, Ebeye nyamye juma, Ebeye nyamye juma, Ebeye nyamye juma, nyamye juma, nyamye juma. Yesoué, Otumanyo, Ebeye yo, Ebeye nyamye juma. Nyamie Juma, Nyamie Juma, Nyamie Juma, Nyamie Juma, Nyamie Juma, Nyamie Juma, Ebeye. Jésus, ton œuvre, nous la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Alléluia, gloire humaine à Jésus-Christ, le seul et unique vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le merveilleux et glorieux Seigneur de tous les temps. Éternel Dieu d'Abraham, merci pour ce temps de méditation. Lévons la voix ensemble, confions toutes choses à Christ. Mon Dieu, mon roi, je parle en ton nom personnel, Jésus-Christ, au ciel et à la terre. En ce moment précis, toute prière qui est adressée à des divinités diaboliques, à des divinités ésotériques, à des divinités idolâtriques, à toute forme de divinité, Père, nous les soumettons à l'autorité du Saint-Esprit. Nous barricadons le ciel et la terre par le pouvoir du sang de l'agneau. Et nous commandons maintenant au pied de la croix de Jésus-Christ que tout genou fléchisse comme la parole de Dieu la déclare. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons toute autorité diabolique, toute autorité spirituelle, toute autorité humaine, toute volonté diabolique, toute volonté satanique, toute volonté humaine. Nous les soumettons à l'autorité de Christ Jésus. Père, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Je te soumets mon être entier. Je te soumets quiconque prend part à ce temps de prière. Quiconque ne prend pas part à ce temps de prière, mais dans le secret et compte ce temps, Père, que son cœur, son esprit soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et tenez, nous proclamons ton sang pour couvrir tes filles et tes fils, pour barricader ce temps. Nous relâchons ton feu divin pour rendre inaccessible ce temps à l'œil du diable. Au nom de Jésus, éternel Dieu d'Abraham, envoie ton esprit, dirige ce moment, conduis ce temps. Oriente-nous dans ta volonté parfaite, que rien ne soit l'œuvre de la chair, ni des démons, mais que tout soit accompli en ce jour par ton esprit. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, par-dessus tout en ce jour, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour tes faveurs imméritées, illimitées, incommensurables, manifestées à l'égard du corps du Christ, à l'égard des pauvres comme des riches, des bons et des méchants. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits pour notre nation. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie, toutes ces nations en crise. Merci pour ta main sur ces nations. Merci pour tous ces hommes qui traversent des crises. Merci de résoudre ces crises-là. Merci de les restaurer et de changer leur histoire. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous venons devant toi aussi, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos fautes, nos transgressions, nos erreurs, nos péchés. Envoie ton sang, lave nos vies, lave nos âmes, lave notre esprit, lave nos pensées. Enlève-nous ce qui n'est pas de toi. Ô Jésus, fais descendre ton esprit, fais descendre le Saint-Esprit. Amène-le en nous, amène-le nous diriger. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est ton moment. Descends, manifeste-toi. Prends le contrôle de ce que je suis. Prends le contrôle de tous mes frères et sœurs en ligne. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle des plus petits et des plus grands. Saint-Esprit, accomplis tes merveilles maintenant même. Esprit de Dieu, à travers la méditation de ce jour, que tu prie quiconque est malade, quiconque passe par des situations difficiles, visite-les, et opère la délivrance, opère la guérison, opère la restauration, opère l'ouverture des portes, et opère des merveilles cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, recevez un shalom chaleureux de la part de l'homme de Dieu que je suis, de ma propre main, je vous salue. Shalom à vous, shalom à tous, shalom à toutes. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est notre rendez-vous de méditation. Nous allons méditer ce jour le livre de Actes chapitre 15 et de Deutéronome chapitre 4. Et le psaume 6 et le psaume 90 au terme de la méditation.
Si vous avez vos Bibles avec vous, prenons nos Bibles ensemble et méditons la parole du Seigneur. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et il causa une grande joie à tous les frères. Verset 4 à chapitre 15. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur que Jésus, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Nous lisons ou nous méditons encore le livre de Actes chapitre 15, nous sommes au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de l'arbre de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Et il les chargeait d'une lettre ainsi conçue: les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre nous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous, s'être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas,
qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29, Actes chapitre 15, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Toutes choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifiaient par plusieurs discours. Verset 33, Actes chapitre 15. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant par plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Actes chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, celui-ci dit ceci, tu ne fais pas ceci, tu ne vas pas au ciel, tu ne fais pas ceci, tu ne seras pas sauvé, tu ne fais pas ceci, comme ça. Frère, il y a trop de discours dans l'église de Dieu. Il y a trop de discours dans l'église de Dieu. Si tu n'es pas comme ça, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne fais pas ceci, tu n'iras pas au paradis. Les premiers chrétiens après Jésus. Parce que nos frères se promènent dans les rues, ils font les débats, ce n'est pas biblique. Et à leur tour, quand cela est arrivé, ils ont jugé bon de partir vers les anciens de l'Église, comme un conseil de l'Église, une grande assemblée, entre eux seulement les pasteurs. Et ils ont discuté. Ils ont discuté, ils ont échangé. Voici le résumé de leurs échanges. Le verset 29 de Actes chapitre 15. On peut lire à partir du verset 28 pour que toute l'Église de Dieu comprenne. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Quand tu es chrétien et que tu évangélises quelqu'un ou quelqu'un commence à prier, c'est ce qui est juste nécessaire qu'il faut lui imposer. Qu'est-ce qui est nécessaire selon la Bible? Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais rien ajouter, je vous dis les mêmes choses. Du sang des animaux étouffés. C'est-à-dire quoi? Souvent vous entendez parler de viande de brousse. Tout animal qu'on n'a pas égorgé pour vider le sang, qu'on te donne, ne mange pas. T'as compris? Un animal qui tombe dans un piège et puis meurt, ne mange pas. Un chasseur tisse un animal, il meurt sans qu'on puisse couper le cou pour que le sang se vide, ne mange pas ça. C'est dans le Nouveau Testament, je te lis. Hein. C'est dans le temps de l'Esprit Saint, le temps de la grâce. Hein. Il n'y a pas autre chose qu'on peut imposer aux hommes. Mais voilà ce que Dieu dit. À savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ne touche jamais à sacrifice. Nos frères musulmans, là, tous ceux qui préparent dans les fêtes, là, ne mangent jamais ça. Jamais. Tu vas au village, on dit, ils ont fait fétiche. Ne touche pas à ça. C'est ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Du sang des animaux étouffés. De l'impudicité. Tu n'es pas marié, il ne faut pas coucher un garçon. Voici les trois choses.
Voici les trois choses. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voici les trois choses qu'ils ont demandées. Tout le reste là, c'est les choses que Dieu demande. Mais on ne doit pas imposer ça aux nouveaux convertis. Quand eux-mêmes vont commencer à se convertir progressivement, Dieu va leur parler. Dieu va se révéler à eux et puis ils vont arrêter toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, c'est trois choses seulement. On est un peu trop dur avec les chrétiens. Donc chacun de nous va prier. On a fait toute cette erreur-là. Et les gens, on a jugé, on a critiqué, on a dénigré. D'autres même, on ne parle plus avec eux parce qu'on dit, frère, chacun n'a qu'à baisser sa tête. Prions, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois qu'on a imposé les charges que Dieu n'a pas voulu à des nouveaux convertis, à notre semblable. Prions au nom de Jésus. Éternel, à moi, tu m'as révélé beaucoup de choses. Et tu rends grâce de m'aider de toujours les observer et de les pratiquer. Et d'éviter ce que tu ne veux pas. Mais il y a des nouveaux convertis. Si je leur impose ça, tu dis que ce n'est pas bon. Voici mes soeurs et mes frères aussi. Plusieurs parmi nous ont imposé les choses que nous, tu nous as demandées. Même on a lu la Bible, on a vu. Mais tu dis non. Voilà les trois choses, quand ils deviennent chrétiens nouvellement, qu'on devrait leur dire. Ou pas ils vont manger viande sacrifiée. Ou pas ils vont manger un animal qui a été étouffé, c'est-à-dire qui est tombé dans un piège. Il est mort sans qu'on le goûte pour vider le sang. Ils ont chassé, ils ont tué sans qu'on le goûte pour vider le sang. Tu as interdit ça dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Dernière chose, tu dis qu'il ne faut pas avoir pratiqué l'impudicité. C'est ça qu'on va dire aux gens. Mais nous, on est parti au-delà de ça. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce qu'on a été trop dur avec le nouveau converti. Donne-nous la sagesse. C'est pourquoi tu as instauré ce temps de méditation de façon quotidienne, chaque jour, qu'on lise, qu'on apprenne des choses de toi. D'ici et d'ailleurs, partout dans le monde entier, nous te demandons pardon pour toute charge qu'on a imposée au nouveau converti. Donne-nous la sagesse de pouvoir aider nos frères et sœurs à devenir chrétiens pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Parce que dans ce texte de Actes chapitre 15, il y a beaucoup de révélations. Mais nous méditons et nous prions comme Dieu nous dirige. La deuxième prière que tu vas faire au Seigneur, c'est de t'aider toi-même. Toi qui as les doutes sur les choses que Dieu demande. Quand Dieu demande des choses, tu doutes. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas d'autres choses. Tu ne connais pas bien Jésus. Les gens viennent t'imposer les choses. Ils viennent te dire, il faut faire ceci. Jusqu'à pour finir, tu es submergé. Tu as peur même de faire petite erreur. Mon ami, ouvre les mains vers le ciel. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je te prie pour moi. Je te prie pour chacun et chacune de nous. Ouvre leur esprit pour comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Parce qu'il y a trop de prédicateurs, trop d'enseignants, trop d'églises, trop de lois. Les chrétiens, mais ils ont peur. Éternel, viens te révéler à tes filles. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On vient de lire dans la parole, tu as demandé trois choses. Mais il y a des personnes, là, personnellement, tu veux leur parler, à te révéler à eux. C'est quoi, ils ne doivent pas toucher même du tout. C'est quoi, ils ne doivent pas faire du tout, du tout. Comme dans la Bible, dans la parole, tu as dit même qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Mais pour Samson, là, c'était un cas exceptionnel. Tu as dit, lui, il peut avoir longs cheveux. Mais il ne doit pas dissucrer à quelqu'un. Tu as vu? Va te révéler à ma fille, à ma soeur, à mon frère, à mon fils, à mon petit frère, à mon ami, à ce papa, à cette maman qui est en ligne, qui regarde cette vidéo. Dis-lui ce qu'il ne doit pas commettre comme erreur. Dis-lui ce qu'il doit faire, puis tu vas l'aimer beaucoup. Va parler à cette personne. Parce que je sais que tu veux que tout le monde n'a qu'à prier librement. Oh Jésus-Christ, aide-nous. Aide-nous à avoir une bonne marche chrétienne avec toi. Aide-nous à réjouir ton cœur à la gloire de ton nom que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier. Voyez, la vie chrétienne, c'est une liberté. C'est trois choses seulement. Les nouveaux convertis, là. Peut-être que tu es un nouvel converti. C'est les trois choses qu'il faut observer. Et puis progressivement, si Dieu se révèle à toi, il y a d'autres choses, tu arrêtes. Si tu lis la Bible, si tu découvres des choses que Dieu ne veut pas, tu demandes pardon à Dieu et puis tu commences à arrêter un peu. Est-ce que tu as bien compris? Voilà. Moi aussi, je ne t'impose pas quelque chose. Ce que Dieu m'a dit, ce que j'ai vu, peut-être que tu n'as pas le même niveau spirituel que moi. Un jour, tu vas arriver, tu vas atteindre ce niveau, tu vas se révéler à toi. Mais pour le moment, évite ce qui est viande sacrifiée, les viandes étouffées, c'est-à-dire les viandes que les gens chassent, les gens prennent dans les pièges, les viandes de brousse. Bien, ton poulet est mort et puis tu prends, tu manges. Tout animal que tu dois manger, on doit couper le cou, verser le sang. Quand le sang est fini, c'est là que tu manges ça. Tout animal qu'on n'a pas fait comme ça, même si c'est viande de brousse, c'est quoi? Faut pas manger ça. Tu manges là, tu vas l'enfer.
C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu ne crois pas, tu prends Actes chapitre 15, verset 29. Il ne faut pas jouer avec la Bible. Ce qui est dit dans l'Ancien, c'est répété dans le Nouveau. Ah, en tout cas, il faut faire attention. Dernière chose, il dit qu'il ne faut pas avoir fait impulsité. Impulsité, allez, tu n'es même pas marié, on n'a pas fait d'autre. Tu as des enfants. Tu as couché un garçon. Dieu dit, c'est pas bon, il n'aime pas ça. On n'a qu'à demander pardon à Dieu. Parce que les trois choses-là, nous sommes à faire ça. Ou bien, c'est faux. Moi, j'ai mangé viande de grosse. Théa. Il y a le jour, les poulets morts, on a mangé. Ou bien, toi, tu n'as pas mangé ça. On est parti au poulet, on était petit là. Si on fait sacrifice intestin là, on met sur une des balais. Allez, tête de poulet, les pattes là, on a mangé. Tiens, moi, j'ai tapé le goût. Hein. Ah, Théa. Ouais, back. On a cherché les femmes partout. Donc, ça là, tout le monde a fait ça. Lève nos mains. Demandons pardon à Dieu. Prions. Seigneur, ah, vraiment, hein. Trois choses là encore, je suis coupable là-bas. Et c'est qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont coupables. C'est pourquoi on te demande pardon. Vraiment, la vie chrétienne n'est pas facile. On ne peut jamais finir de connaître Dieu. C'est pourquoi tu te demandes pardon pour moi. Tu te demandes pardon pour mes frères et soeurs. Envoie ton sang laver. Toutes ces viandes sacrifiées. Toutes ces impulsités qu'on a commises. Toutes ces viandes étouffées. Ces animaux sacrifiés qu'on a mangés. Pardonne-nous, Seigneur. Envoie ton sang. Enlève toutes ces malédictions sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons aussi prier pour nos dévanciers, nos pères de la foi, les pasteurs qui font les woyaway, les discussions dans les rues, même avec des musulmans, avec des pasteurs un peu chrétiens. C'est un péché. Dans la Bible, quand l'occasion arrivait qu'ils avaient des discussions sur d'autres choses, la Bible déclare qu'ils sont allés tous se rassembler quelque part, et puis un de eux, pasteur, sans même filmer, ils ont discuté en eux, l'Esprit de Dieu les a guidés, ils ont résolu les choses, et puis ils sont partis pour continuer l'œuvre de Dieu. Mais pour nous, là, c'est pour se réunir, c'est concurrence, c'est pour humilier l'autre, vraiment demander pardon à Dieu pour les ajustements de nos églises dans ces temps-ci. Ces pasteurs qui ne respectent pas l'autorité de Dieu, qui font des désordres partout, prions, demandons pardon à Dieu pour tous les hommes de Dieu qui commettent ce genre de choses. Prions. Seigneur Dieu d'Abraham, dans la Bible, il y avait un temps où les gens devaient discuter pratiquement dans Actes chapitre 15 que nous venons de méditer. Mais tes serviteurs, même d'autres, c'était dans d'autres villes, dans d'autres pays, sont venus se rassembler. Et puis ils ont discuté, ils ont résolu ensemble qu'on ne doit pas imposer des charges aux nouveaux convertis. Mais ils doivent observer trois choses seulement, c'est-à-dire ne pas manger les animaux sacrifiés, les viandes sacrifiées, les animaux étouffés, et puis l'impulsité. Après cela, ils sont partis faire l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu même révélait à quelqu'un, c'est ce que la personne faisait. Éternel Dieu, lui là, il y a bonne église. La mauvaise église, là c'est bon pasteur, là c'est faux pasteur, oh Seigneur, il y a toutes les discussions. Jusqu'à pour finir, les pasteurs même s'arrêtent pour discuter à les musulmans dans la rue. C'est quand Paul a fait ça dans la Bible. Il faut faire ça dans la Bible. Nous te demandons pardon. Toutes les fois qu'on a versé ton visage par terre, on t'a humilié, on t'a honni, on a baissé, on a piétiné ton autorité, ta gloire, à travers notre ignorance, nos sentiments humains, Seigneur, nous te demandons pardon. Toi qui as créé le ciel et la terre, pardonne nos faiblesses, pardonne nos erreurs, pardonne nos transgressions, pardonne tous les pasteurs qui font la concurrence, la compétitivité, la jalousie, qui dénigrent leur prochain, qui dénigrent leur collègue pasteur, qui parlent mal de leur pasteur, qui cherchent à piéger les autres pour les faire tomber. Toutes ces mauvaises choses-là, nous te demandons pardon, Jésus. Pardonne le corps du Christ en Amérique, en Europe, en Océanie, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tous ces pasteurs qui sont extrapolés leur prochain. Te demandons pardon. C'est eux qui sont appelés à enseigner, à nous montrer la loi. Mais eux-mêmes font palabre en eux. D'autres même prêchent le nom de d'autres et insultent d'autres. Mais pardonne-moi. Pardonne tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous la sagesse. S'il y a lieu de quelque chose, qu'on s'asseye et qu'on discute dans le secret, loin des yeux des hommes, à la gloire de ton nom, Seigneur. Merci de nous apprendre à marcher comme tu veux au nom de Jésus. Amen. Dernier passage à méditer, Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Dernier passage à méditer, Deutéronome chapitre 4. Dernier passage à méditer, Deutéronome chapitre 4. On y va. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion du Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu,
a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7, Deutéronome chapitre 4. Quelle est en effet la grande nation qui ait des yeux, qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Deutéronome 4, verset 11, « Vous approchâtes et vous vous tintes au pied de la montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Deutéronome chapitre 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendue. Deutéronome chapitre 4, nous lisons le verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez des plus longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu
et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Verset 31, Deutéronome 4. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui n'abandonnera point, qui ne t'abandonnera point et ne te dédonnera point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais ouï chose semblable? Verset 33. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qu'il soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte, sous vos yeux? Verset 35, Deutéronome 4. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge au meurtrier qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ses villes. C'était Beth-Seir, dans le désert de la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad, chez les Gadites et Golan en Bazan, chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Verset 46 de Deutéronome chapitre 4. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparaient de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon. Et il embrasait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied du Pisga, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis et frères, sœurs dans la foi, on a un seul sujet de prière à faire après Deutéronome chapitre 4. Quel est ce sujet de prière? C'est de prier que aucune parmi nous, que ce soit moi ou que ce soit toi, ne devienne idolâtre. Que nous ayons dans notre esprit que Dieu a interdit les idoles. Laisse-moi te montrer en résumé juste ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Le verset 23. Je lis juste simplement. Deutéronome chapitre 4. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. De ne point faire d'image taillée. Image taillée. De représentation quelconque. Écoutez bien le mot quelconque.
que ce soit statue de Jésus, statue de Marie, statue de Michel, statue de Joseph, statue de David aimé, quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Donc il n'y a pas d'argument pour faire une statue quelconque. Donc prions jusqu'à la fin de notre vie que nous ne prions pas des choses que la main de l'homme a faites. Comment tu peux prier un Dieu? On peut se lever, on le dépose ici. Il tombe, il ne peut pas se lever. On prend, on met ici. On l'attache à un corde, on met dans un sac, on met dans la voiture. Frère, lève les mains. Demande à Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Parce que Dieu a interdit ça. C'est la loi là, il avait donné à Moïse. Dans le verset 24, il dit, Dieu est un feu dévorant. Et il est un Dieu jaloux. Que tu n'adores jamais des fétiches, des images taillées. Que tu n'adores jamais d'images taillées. S'il te plaît, ouvre les mains vers le ciel. Ouvre les mains vers le ciel. Et demande au Seigneur de t'aider. Que tu ne tombes jamais dans l'idolâtrie. Prie pour toi-même. Seigneur, je te demande d'abord pardon. Pour moi et pour ton peuple. Dans l'ignorance, quiconque parmi nous a déjà prié devant une statue. Ou devant une photo, une image. Ou un bois, un caillou, ou l'eau, ou la terre. Nous te demandons pardon. Que ce péché-là soit pardonné, que ton sang efface cela. Nous nous engageons, après avoir entendu ta parole, de ne pas commettre ce genre de choses. C'est pourquoi donne-nous ta capacité, ta force. Veille sur nous, afin que nos pieds, notre âme, notre esprit, Seigneur, ne dévie jamais pour aller adorer une image taillée, une image de fonte, une photo ou une idole quelconque. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous adorons le Dieu feu dévorant, en Deutéronome 4, verset 24, jusqu'à la fin de notre vie, éternel Dieu d'Abraham. Sur la base de Deutéronome 4, éternel Dieu, nous chassons tous les liens dans nos familles, tous les liens dans nos frères et sœurs, dans nos maris, dans nos enfants, tous les liens diaboliques d'idolâtrie. Quelqu'un parmi vous marche avec un homme, mais son nom est rattaché à un fétiche. Quelqu'un parmi vous marche avec une femme, mais son nom est lié à un fétiche, à une idole. Priez d'être le lien entre ton mari et les idoles de sa famille, les fétiches. Il y a des personnes qui ont des idoles dans leur chambre. Prie pour briser le lien. Pendant que tu pries, je prie que le Seigneur te donne l'autorité, le pouvoir, que ta parole soit de feu et de puissance en ce jour pour libérer ta famille. Prie au nom de Jésus. Éternel, par l'autorité de ton nom, je relâche le sang de l'agneau, mais déconnecté de tout lien d'idolâtrie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, et de toute forme d'idolâtrie personnellement que j'ai rencontrée dans ma vie. Éternel, je bénis ton nom de quiconque marche avec quelqu'un, ou elle-même, ou celui-là même, avec qui je prie, a des liens avec des fétiches, des idoles, des canaries, des statues, ou encore même des chapelets, que ce lien soit coupé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce lien maléfique soit brisé, car tu nous interdis gravement d'adorer une image quelconque, peu importe le nom de cette image. Merci de nous instruire toujours. Merci pour cette parole dans notre cœur. Fais de nous, Seigneur, la génération de feu et de flamme, afin que le monde entier connaisse Jésus-Christ à travers nous. Lève la main, dit Seigneur, je rejette toute forme d'idolâtrie dans ma vie personnelle et dans la vie de ma postérité. Quiconque marche avec moi, qui est rattaché aux idoles, à travers ma main levée vers toi, descend ton feu et consume en lui les liens de ses idoles et sauve son âme au nom de Jésus. Amen. Mes frères dans le Seigneur, bénissons cette fin de semaine. Bénissons premièrement ce vendredi, bénissons ce samedi, bénissons aussi le dimanche à venir, afin que chaque membre de Christ soit béni. Chaque enfant de Dieu là où se trouve, passe une fin de semaine excellente, merveilleuse et pleine de richesses financières et matérielles. Lève les mains et bénis cette fin de semaine. Roi des rois, Seigneur Dieu unique, par la puissance de ton nom, je relâche ton huile de joie, ton huile d'onction, ton huile de puissance,
sur chaque membre de Christ soit béni. Que ton huile coule sur eux. Que ton huile coule sur les maisons. Que ton huile coule sur les voitures. Ton huile coule sur les affaires. Ton huile coule sur les mariés et les femmes. Ton huile coule sur les enfants. Père, favorise ton peuple maintenant. Favorise les membres de Christ soit béni. Réjouis leur cœur en ce jour. Fais des miracles et des prodiges en cette fin de semaine. Que cette fin de semaine soit excellente dans leur vie. Père, je prie ton nom, Seigneur, que le bonheur s'attache à chaque membre de Christ soit béni en cette fin de semaine. Que tous les enfants de Dieu, les filles et les fils du royaume de Dieu, qui sont en union de prière à cette heure avec nous, reçoivent la bénédiction de Dieu, reçoivent la paix de Dieu, reçoivent la gloire de Dieu, reçoivent la restauration de Dieu, reçoivent la guérison de Dieu, reçoivent la délivrance de Dieu, reçoivent les finances de Dieu, reçoivent la présence de Dieu. Que tout malheur s'éloigne de leur vie. 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 Tout accident s'éloigne de leur vie. Toute mauvaise nouvelle s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, que leur étoile brille. Que leur étoile brille. Que les anges de la visitation, les anges de la visitation, les touchent maintenant. Là où il y avait un problème, j'envoie ton sang, Seigneur, régler ce problème. Dans la vie des membres de Christ Family, tous mes fils et mes filles qui m'entendent, qui ont les mains levées vers leur écran, je déclare maintenant que tout problème soit solutionné. Que tout problème soit solutionné. Que tout problème soit solutionné. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier avec le psaume du jour. C'est le psaume 6 et le psaume 90. Les deux cumulés en un seul psaume, vous faites un psaume de degrés. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, nous prenons le psaume chapitre 6, où il y a le psaume 90. Je laisse quelque chose là-bas, comme une feuille ou bien quelque chose pour marquer la page. Et quand nous finissons le 6, tu vas automatiquement au psaume 90 pour enchaîner. Ok, faisons-le ensemble. On lit pas le verset 1, hein, c'est le titre. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus d'en souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus sous saisie d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Verset, bon, le psaume 90 maintenant. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, le fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous au temps du jour que tu nous as humiliés, au temps d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas quel problème tu as, mais possède l'exorcement en ce jour par la foi. Lève la main droite simplement vers le ciel et dis au nom de Jésus-Christ, sur la base de la communion avec le Saint-Esprit, sur la base de la communion avec les saints, sur la base de la communion avec l'Église de Dieu, sur la base de la communion avec Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de la communion avec tout le peuple de Dieu réuni à cette heure,
sur la base de la parole de Dieu méditée en ce jour, je déclare maintenant que l'épée de l'Esprit descend et brise, et brise, et brise tout fardeau sur ma vie, tout joug sur ma vie. Je déclare au terme de cette méditation de ce jour que ma vie est restaurée, que les portes me sont ouvertes, que des miracles se multiplient dans ma vie, que des merveilles s'accomplissent maintenant, que la guérison est nommée dans ma vie, que le malheur s'est éloigné de ma tente. Je proclame que les finances viennent à l'existence, que des miracles s'opèrent de telle enseigne que ma génération crie. Qui t'a béni? Qui est à l'origine de ces extraordinaires changements? Et je leur dirai Jésus-Christ. Sur la base de la méditation de ce jour, je scelle 7 fois dans le sang de Jésus chaque parole que le Seigneur a mis dans ma bouche pour toi comme exaucement de œuvre parfaite au nom de Jésus-Christ, de notre Dieu. Amen. Ok, nous allons ensemble faire le lien d'amour. Ouvrons nos mains si tu es seul et si vous êtes deux, vous attrapez mes mains. Faisons-le. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, amen. Mets la main droite sur ton cœur et tu vas prier que l'amour de notre Seigneur Dieu habite le cœur de chaque membre du corps du Christ, de toute l'Église et de tous les chrétiens partout se trouvent dans le monde entier. Que nos conversions soient réelles et vraies. Prions pour toute l'Église. Seigneur, nous te prions pour ton Église. L'Église que tu as laissée sur terre avant de partir dans le ciel et récupérer ta place et ton trône de gloire. En ce jour, je réclame ton amour dans mon cœur. En tant que membre du corps du Christ et membre de l'Église, Seigneur, convertis-moi réellement. Que ma conversion soit parfaite comme ta parole l'a déclaré et que je réjouisse ton cœur au soir même de ma mort dans ton saint paradis. Père, je te rends grâce, je te loue de ce que ton amour déborde le cœur de chaque membre de Christ Family. Convertis chaque fidèle de Christ Family à toi, ceux qui sont en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je te prie pour l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Océanie, l'Église Seigneur d'Amérique, l'Église dans les îles, tous les chrétiens, les hommes de Dieu, les responsables, les fidèles, les nouveaux convertis. Seigneur, chaque membre de Christ, chaque membre du corps de Christ, reçois maintenant ton sang pour libérer le cœur des œuvres qui les empêchent de se convertir. Que ta crainte habite le cœur de toute l'Église. Que ton amour déborde nos cœurs. Convertis-nous à toi. Nous chassons l'œuvre des ténèbres. Nous chassons l'impudicité. Chassons la débauche. Nous chassons les œuvres infructueuses de la chair en nous. Père, que notre conversion te glorifie au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au terme de ce temps de méditation. C'est juste un rappel parce que nous sommes en train de faire un point pour pouvoir vous contacter et puis, si possible, dimanche, soyez à l'heure, soyez connectés au culte afin que nous puissions prier pour tous ceux qui ont pris de l'engagement de donner de leur énergie financière, de leur finance, de leur richesse afin d'acheter un terrain pour l'Église Christ Family et de bâtir un temple. Donc, soyez connectés dimanche. Et avant que dimanche n'arrive, si tu n'as pas encore fait réfléchir, c'est combien, quand tu regardes si cette œuvre est du Seigneur Jésus-Christ, si c'est bien de donner un hôtel à Dieu, si c'est bien de nous rassembler dans une maison et prier le Seigneur jusqu'au retour de Jésus-Christ, alors frères et sœurs, comme les apôtres l'ont fait, comme Moïse en son temps l'a fait, comme au temps de Salomon, ils ont recueilli de l'argent pour bâtir un temple. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est pourquoi réfléchis, chaque fin de mois, combien peux-tu donner pour que nous achetons le terrain de l'Église. Ne t'en fais pas, nous faisons un point. Nous ferons un point chaque mois. Les deux responsables qui sont chargés de recueillir les finances vont faire un point chaque mois. Tout ce que vous donnez, ils vont vous envoyer des réponses pour dire qu'ils ont reçu ce que vous avez envoyé. Et nous allons faire un point chaque mois. Je dis bien un point chaque mois. Donc, combien tu peux donner chaque mois pour l'Église de Dieu afin de payer et d'acheter un terrain? Il faut réfléchir. Tu envoies ce que tu peux donner, tu écris, pasteur, je me nomme, soit Kofi Kahn, je prends l'engagement d'apporter 1 million chaque mois pour le terrain de l'Église, ou 500 000, bien 2 millions, ou 50 000, 20 000, ou 500 francs, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, tu es libre. Combien peux-tu donner chaque mois pour payer le terrain de l'Église?
Ne laisse pas quelqu'un te pousser, t'imposer quoi que ce soit. Réfléchis-y, choisis un montant. Et tu envoies un message par Messenger ou par WhatsApp où tu appelles le pasteur, je m'engage à donner tel montant chaque mois pour le terrain de l'église. Et tous ces points, que moi j'ai reçu un message, les responsables aussi qui ont reçu, nous allons nous rassembler et faire un point. Et à partir de ce point, nous allons maintenant prier pour ces personnes-là. Parce qu'il y a un jeûne que nous allons faire après que nous allons finir de prier. Il y a un jeûne de 3 jours à fruit que toute l'église va faire pour le terrain et le temple de l'église. Afin que tous ceux qui vont donner de leurs 5 francs chaque mois, chaque semaine, ils voient les fruits de où leur argent s'en va dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, de leur mari. Donc préparez-vous. Si tu as déjà fait la répétition pédagogique, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est en cela que je vois vraiment que tu es engagé. Sinon, il y a déjà reçu des messages depuis la première semaine. Mais je fais exprès pour voir si tu ne t'es pas trompé, si tu es réellement sincère. Donc, je vérifie le chiffre que tu as dit la première fois et la deuxième fois. Je regarde aussi dans ton cœur si tu es sincère. Parce que quand il y a une bonne terre et qu'il n'y a pas de bons fruits, la terre ne peut pas changer les fruits. Alléluia. C'est pourquoi je suis devant vous et je vous rappelle cela. Donc, informez vos frères, vos sœurs, informez vos amis, tous ceux qui veulent une bénédiction du Seigneur. Sachez que bâtir un hôtel, c'est éternel. Cette action que tu poses jusqu'au ciel, Dieu n'oublie jamais cela. C'est pourquoi tu verras toujours un musulman, qu'il soit pauvre ou riche, quand il achète un terrain construit, il va donner au moins quelques mètres à son Allah pour faire une mosquée. Toi, est-ce que tu as déjà donné au moins 2 mètres carrés de terrain à Dieu pour construire l'église? Tu n'as pas eu peut-être la possibilité de le faire. Prends ton argent et contribue pour avoir un terrain pour l'église. Tu verras qu'est-ce qu'il y a dans donner un terrain à l'église. Bâtir un temple pour Dieu de la dîme des offrandes. Tu verras la différence. Ce n'est pas les mêmes choses. Le plus riche du monde est le premier roi qui a construit un temple pour donner à Dieu. Le plus riche du monde, Salomon, jusqu'à aujourd'hui, il est le seul qui a bâti un temple pour donner à Dieu. Ne joue pas avec la terre. Ne joue pas avec le temple de Dieu. Réfléchis-y et envoie-moi par Messenger ou par WhatsApp combien tu peux donner chaque mois. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, nous allons faire le psaume 23 et nous nous retrouverons, si c'est possible, à 4h30. Parce qu'il y a un problème vous ne comprenez pas. Souvent, quand l'heure de prière arrive là, on ne dirait même pas même qu'il y a l'unité dedans même. On ne dirait même pas qu'il y a les gigas dedans même. On ne dirait rien. J'appuie au Saturne pour venir jusqu'à même souvent 20 minutes. Je suis fatigué et dors. Parce que quand je sais qu'il y a rendez-vous avec vous, je ne peux pas dormir. Il y a le jour, le portable là, il y a le matin, il y a Internet. Mais quand l'heure de prière est presque arrivée, c'est mélangé. Même les dimanches, les gars font ça souvent. Donc, ceci étant, nous allons nous croiser ce vendredi nuit à 4h du matin pour la méditation du jour. Donc, toute l'église, tout le monde doit se mobiliser, tout le monde doit donner quelque chose. Parce que je veux que la bénédiction, c'est pas moi, hein, la bénédiction qui est sur cette église, la Christ Family, découle de ta vie, soit parmi les prémices et les piliers de la gloire de Dieu dans cette nouvelle génération. Car Dieu sait pourquoi il a envoyé Christ Family sur la terre actuellement. Nous sommes en 2022, c'est pourquoi il a révélé cette église. Donc, les gars, disposez-vous. On doit faire quelque chose qui va bouleverser le monde entier. On est dans notre année de restauration. Et la restauration commence par la terre. La restauration commence par la terre. Si le ciel a déjà parlé, la terre doit parler. C'est pourquoi prendre ton argent, viens semer pour bâtir le temple de Dieu pour acheter un terrain. Tu as compris? Tu mets ton nom à l'état civil parce que c'est sur ce nom que nous allons prier. Amen. Voilà. Le rendez-vous, c'est à 4h30. Ce vendredi nuit à 4h30. Si jusqu'à 4h20, 4h15, je vois que le réseau là, je me connecte en même temps. Donc, comme vous allez voir que dans ce temps-ci, l'heure que je donne, une fois que le réseau est propre, je me connecte en même temps pour que vous puissiez suivre. Parce qu'il y a le jour où je me dis, bon, à 29, bien à 28, je vais commencer à connecter, le réseau n'y est pas. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, ils ont le psaume 23, et puis nous allons dire bye bye. Maintenant, ceux qui veulent appeler l'homme de Dieu, il vous a dit hein, toujours quand il dit ah, appelez-moi dans le coupe réseau. Je ne peux plus vous dire appelez-moi, il ne peut pas vous dire ne m'appelez pas. Quand toi-même le besoin se fait sentir, tu vas appeler, lance le numéro là, on ne sait jamais. Parce qu'une fois qu'ils donnent l'heure là, les gars bloquent tout. Donc je ne peux plus donner l'heure. C'est que je suis mes téléphones sont là.
Toi, tu m'appelles, on cause. Il y a des gens qui m'appellent même deux fois par jour, on cause. Ça dépend de vous. Psaume 23, terminons ce temps de méditation. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais fais reposer le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette est tombée, tombe la suite, tu te résumes une table en face, mes adversaires. Tu vois, ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bon après-midi à vous, très bel week-end à vous, très beau vendredi à vous. Multiplication de faveurs, multiplication de grâces, multiplication de richesses, multiplication de joie, multiplication d'onction. Sur votre vie, pour. On répond Amen, pour. Ok. Ceux qui ont suivi vraiment ce direct, donc je vous attends, j'attends vos messages pour pouvoir faire un inventaire et puis rencontrer les responsables et puis en faire un point. Shalom à tous.